jingle de départ. Alors, le jingle, les drapeaux jaunes, ça, ils pètent hein, le jingle. Oui, ça me rappelle, ma première petite. Et c'est parti, Patrice, drapeau jaune donc. Pas personne ne double personne pour l'instant. Non, voilà, il s'est mis devant, il a fermé la porte pour éviter que Clémentine se mette à l'intérieur du côté du virage Valto. Et aussitôt l'Archandro se passait, voilà, dernier drapeau jaune avant l'Archandro, c'est drapeau vert aussitôt, la course est lancée. C'est parti. Clémentine à l'intérieur qui va tenter de ne pas se laisser décramponner par Biel. Elle est à l'intérieur. Superbe début de course de Clémentine Last. Oh, mais derrière, par contre, ça touche un petit peu parce que j'ai l'impression que Louis Rousset a déjà repris. Il est en bagarre, Louis Rousset. Ah, mais non, il n'a pas pu dépasser Laurent Nael. Et donc, il reste toujours pour l'instant. J'ai l'impression à la dernière place de cette en finale dans le position, ouais. Ouais. Alors, Biel en tête. Biel en tête, mais Clémentine Last n'est pas très loin. Elle n'est pas très loin. Elle a perdu quand même. Je crois que c'est Philippe Bansa hein, qui a réussi à garder sa troisième place. On va le confirmer en passage devant nous. Oui, oui. C'est bien lui qui passe en premier. Clémentine Loss, voilà, Philippe Bansa ensuite. On a toujours ensuite la voiture numéro 8, celle de Ronel. Et c'est bien lui aussi. Pour l'instant, malheureusement, pour lui, il ferme la marge de ce premier tour de cette première finale large. De l'année. Oui. Un peu trop large, Clémentine. Petit blocage. Ah, j'ai l'impression que lui aussi est passé. Oui. Louis Rousset est passé, il gagne une place puisqu'il vient à l'instant même de dépasser Laurent Nael. Oui, avec Bansard qui est toujours devant, Oui, toujours toi. Ouais, c'est pas contre, mal, c'est pas mal. Il va l'attaquer sérieusement. Le freinage à l'épingle Yokohama, toujours Biel en tête. Clémentine Loss qui tente de revenir, qui ne revient pas. Et j'ai l'impression qu'il est tout de suite derrière. Voilà Philippe Bansard avec déjà Louis Rousset dans ses roues. Eh oui, Louis Rousset, quand même. Ah ben, supériorité technique sur les autres, hein, on va dire. Mais bon, la course est compliquée car devant ça roule bien. Ça roule bien. Ça roule très bien. Il y a à peine une seconde d'écart entre Louis Rousset et Philippe Bansard. À l'avantage pour l'instant, Philippe Bansard, mais j'ai l'impression que Louis Rousset est aussi de plus en plus dans les rétroviseurs de la voiture de Philippe Bansard. Alors que devant, par contre, notre pilote, notre poleman Nathan Biel, est en train de creuser l'écart. Oui, il a plus de 3 secondes maintenant d'avance sur Clémentine Loss. Et pourtant, Clémentine n'a pas décramponné. Attention, attaque à l'intérieur sur Bansard. Mais qui résiste. Alors pour l'instant, bon, devant, on ne va pas trop se poser de questions quand on va passer à mi-course, parce que nous sommes à mi-course maintenant pour Nathan Biel. Voilà, il passe son avance sur Clémentine Loss, toujours deuxième. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours une petite seconde entre Philippe Bansard et Louis Rousset. Oui, Louis Rousset n'arrive pas à passer. Il attaque pourtant. On voit les couleurs vertes du petit forestier qui attaque à l'intérieur. Mais Bansard fait une course avec beaucoup de souffrance, surtout qu'il nous disait hier soir que, oui. Non, mais Louis Rousset qui a fait une petite erreur, mais qui n'a pas perdu une place, c'est passé limite. Il nous disait hier soir qu'il détestait rouler la nuit parce qu'il perdait ses repères. Absolument. Pour quelqu'un qui perd ses repères la nuit, pour l'instant, ça va encore à peu près. Hein. Et un petit record du tour pour l'instant, toujours pour Nathan Biel en 47.3 pour le pilote de la voiture numéro 11. Donc c'est lui le plus rapide en piste, hein, c'est lui qui est devant. Et Clémentine Loss qui fait une petite erreur qui va lui coûter quelques dixièmes dans les pins Yokohama. Oui, mais il est toujours bien accroché en deuxième position. Et c'est bien, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de féminines cette année. Ah non, c'est sûr. Et elle montre quand même qu'elle est là. Hein. Et Philippe Bansard qui a pris pratiquement 3 secondes maintenant d'avance sur Louis Rousset, qui a fait une petite erreur, on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Louis Rousset maintenant qui se voit un petit peu... Hop, et Clémentine qui fait une erreur et Philippe Bansard qui aurait pu passer, c'est carrément tanké. Voilà, alors ça va tout relancer. Elle est repartie. Elle est repartie, par contre elle a fait une grosse erreur. Philippe Bansard est revenu juste derrière elle et ça permet à Louis Rousset et également à Laurent Nael de revenir au contact. Ouais. Ils sont 4 maintenant pour la deuxième place. Elle a fait un petit bouchon. Oui, elle a fait un petit bouchon là, mais qui a rapidement sauté. Allez, dernier tour. Voilà, le voilà pour Nathan Biel, dernier tour, il s'élance encore une quarantaine, 48 secondes. Dans cette finale. Et ils sont deux très féroces maintenant dans les roues de Clémentine. Que va-t-il se passer? Seront-ils galants? Pas forcément. Ça n'a pas changé les positions. Ça n'a pas changé. On a toujours Clémentine, Philippe Bansard, Louis Rousset. Et en dernier, toujours Laurent Nael. Attention à l'attaque de Louis Rousset sur l'intérieur de Bansard. Bansard qui résiste.
Et Urbanel va gagner. Ouais, alors qu'on a une voiture qui est... Philippe Bansard qui a fait une erreur juste après l'Archandros. C'est pas vrai. Ah si, il va repartir à la dernière position, Philippe Bansard, alors qu'il était sur le podium. Incroyable. Cette finale. Oh là là. La boulette juste avant l'épingle, le drapeau à damier pour Nathan Biel dans quelques secondes. Voilà qui est fait, première victoire, première finale pour Nathan Biel du team Yvan Moulin Racing, donc il remporte cette finale élite. Deuxième, Clémentine Lost. Ah, écoute, normalement c'est elle, on va vérifier. Oui, deuxième Clémentine Lost, troisième Louis Rousset, quatrième normalement, oui c'est bien lui, Laurent Maël, et malheureusement Philippe Bansard qui a une faute là, juste après. Alors, on n'a pas vu ce qui s'est passé, on a juste vu la voiture face au talus. Voilà, Philippe Bansard qui en termine très tôt là, malheureusement, alors qu'il pouvait espérer un podium sur cette finale. Donc, malheureusement, beaucoup de déception pour Philippe Bansard ce soir.